Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo, chien contre vélo. Timothée nous a rejoint, comment tu vas? La forme. Oh, t'es revenu avec tes deux chiennes, on les représente, comment elles s'appellent? Donc, Jinaya et Otesse. Aujourd'hui, deuxième vidéo comme j'ai dit, mais cette fois-ci beaucoup plus compliqué. On va vraiment les solliciter au maximum, voir qui du vélo ou du chien ira le plus haut, ira le plus vite, vraiment en mode trial. Donc c'est pour ça qu'on est au trial club de Cerny, juste en dessous de Paris. On va voir, tu penses que cette fois-ci elles vont pouvoir relever le défi et peut-être me battre? On s'est entraîné. On s'est entraîné. Ouais, on s'est entraîné, on va voir ce que ça donne maintenant. Allez, premier défi, ça va être juste ici. On va mettre des tas de palettes et on va voir qui du chien ou du vélo ira le plus haut. Première hauteur, qu'est-ce que t'en penses? Là, à peu près ça, ça doit faire 60 cm, je pense. La chienne d'abord? Allez, c'est parti. Allez, dessus. Ah, bouge, c'est plutôt facile. Allez, descend. Pour moi, je devrais être plutôt facile. Yeah. On va monter un peu alors. On monte un peu. Allez, une palette en plus. Alors, la petite particularité à chaque fois, on va mettre cette palette là sur le dessus pour éviter que le chien mette les pattes dans les trous. Voilà. On protège les chiens, la SPA, tout ça, vous inquiétez pas, on prend soin des chiens. Très stable, c'est très bien. 80 cm, place au chien. Génère, elle est dessus. Ouais, limite elle arrivait derrière. Bon bah là on est facile, allez au vélo. Voilà, c'est très stable, mais c'est passé. Une palette en plus. Génère, elle est dessus. Oui, c'est bien mané. C'est facile, c'est facile. Hop. Ça passe. Allez, encore une palette, ça va très vite. On va dire 1m20, on n'a pas de quoi mesurer, ça fait 8 palettes à peu près. Allez, dessus. Ouais. Ouais. Yep, ça passe toujours. Bon bah une palette de plus. Là je pense qu'on n'est pas très loin de mon record. Dessus. Wow. Dessus. Wow. Dans les pattes. On va se laisser 3 essais. Donc là, on va dire qu'elle a raté, hein, elle a mis le bide. Deuxième essai, allez. Ah. Allez, saute. Deuxième essai, c'est un refus. Allez, allez. Oh. Oh. À peine aidé de la main. À peine aidé. Donc on va dire que si je passe, obligé de recommencer. C'est que j'ai gagné aussi. Ah là là. Bon, premier coup, c'est un peu raté. Allez, je me laisse un deuxième essai. Je fais exprès, hein, c'est pour le suspense. Ouais, c'est ça, c'est pour le suspense. Pour monter encore un peu. Voilà, c'est ça. Voilà. On dit quoi? Bravo. Est-ce qu'on laisse un dernier essai au chien? Je suis fair play, franchement, je suis un bon joueur. On lui laisse un dernier essai, mais je crois que. Je sais pas, je crois qu'elle est fatiguée. Oh. Allez, dessus! Allez, dessus! Allez, allez! Et ben, elle est montée, mais pas sur la palette, malheureusement. A savoir combien d'épisodes j'avais déjà gagné, hein, donc tu m'as dit entraîner, entraîner. On verra, j'ai un deuxième exo pour toi. Bravo, bravo. Premier défi, c'est le vélo qui l'emporte. Allez, on passe au deuxième tout de suite, c'est parti. Ok, deuxième exo, on va tester l'agilité. L'agilité, c'est de l'équilibre là-dessus. On va voir si le chien est capable de se promener ici. Allez là, là on lui a aménagé un petit truc pour qu'elle puisse aller là. Ici, il y a plein d'orties. Ici, là je te propose qu'elle fasse demi-tour. Voir si elle est capable de faire demi-tour là-dessus. Revenir, là, hop, hop, puis sortir là. Et puis pour moi, il y a deux, trois petits trucs en plus. Tu verras, je vais faire une petite variante et on voit qui est plus agile. Place au chien. Allez, dessus. Un chien, c'est agile. Donc à moi, on va voir si je suis aussi agile que le chien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever cette poutre là pour moi. On va la mettre par terre, elle sert à rien. Je vais faire le même parcours, sauf que je vais partir de la pierre, sauter là.
sauter là-bas, sauter sur l'autre là-bas, sauter sur le tronc, vous allez voir tout à l'heure, revenir tac tac et faire le même enchaînement. Pas facile hein. Là je crois que je me suis un peu emballé à me dire tiens je vais jusqu'à là-bas. Ah, c'était pas mal. Bon ouais c'était pas mal. Oui, ouais. Tu vois je suis un peu essoufflé là. Franchement mettez un pouce bleu parce que pas facile. Bon on va dire que le chien était quand même plus facile que moi je crois. Au vu de mes gouttes de sueur là, elle a l'air tranquille. Elle est bien là. On va dire 1-1, le chien, agilité, parfait. Je te propose, on est sur un terrain de trial, c'est de faire en mode compète. Ouais. Donc une compète de trial c'est simple, il y a plein d'obstacles enchaînés. Celui qui met le moins de pieds. Alors, moi de roue ou de patte, on va dire on a pas le droit de taper le bide ou d'être aidé. Et là, c'est parti. Allez, troisième, la compétition. Dernier défi, manche finale. Ça part de là, comme la compète. Ça, c'est le début. Pour moi, ici. Pour elle, bon, on va dire petite variante par là, par la droite. Ok, rouler là. Là, on va allier agilité et franchissement. Du coup, c'est un peu ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Là, sauter là-haut, rouler tout le long, sauter là, descendre. Ah, est-ce que je crois qu'elle peut sauter de là? Non, c'est un peu gros ça. C'est un peu gros. Mais toi, par contre, ton vélo, tu peux essayer. Moi, j'ai le droit de sauter. Le chien, pas le droit de descendre, par contre. Elle arrive ici. Moi, je suis toujours là-haut. Je saute jusque là. Le chien aura le droit de descendre parce que je pense que de là à là, ça peut être dangereux pour elle. Bah, c'est surtout, ouais, ça glisse. Donc... Ça peut être dangereux. Donc, moi, je saute directement là. Le chien a le droit de passer par le sol. On roule jusque là, le tronc, et la fin sera ici. Ok? Et pour toi, la fin ici. Regardez-moi ce saut là déjà. Un peu de défi quand même. Ouais, donc moi j'en ai plus en fait, c'est ça? J'en ai plus et il faut que j'aille plus vite. Allez, défi. On est parti. Accepté. Place au chien. T'es prête? 3, 2, 1, go! Combien? 23,56. 23,56 à battre. Ok, c'est le défi, je vais quand même pas me faire battre par un chien là. Ça veut dire faire une troisième vidéo. Très dommage quand même. Ça serait dommage hein. 23,56 à battre. Bonne chance. Ouais, c'est pas de la chance, c'est le talent. 3, 2, 1, allez go. Comment je le sens? Déjà ça c'est pas terrible. Je pense que je suis allé plus rapide, non? J'ai perdu un peu de temps là-bas. Bah moi je te propose une troisième vidéo. 25-23. Oh là là. C'était beau quand même, bravo. 2-1. Je viens de perdre contre le chien. 2-1. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prochain défi? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez déjà une troisième vidéo? Je suppose que si vous mettez un maximum de pouces bleus comme la première, c'est que vous la voulez. Et puis proposez-moi bah, des défis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Chien contre vélo. Peut-être prendre un BMX, peut-être prendre un VTT enduro. À voir, dites-moi en commentaire. Bah, moi je suis un peu déçu, c'est. Tu sais, c'est une première vidéo où je perds. Hein. C'est vrai? Ouais, je crois que. Bah, faut un début à tout. Ouais. J'aime pas trop ça. Non, bon, est-ce que je te propose, je suis bon joueur, pour terminer la vidéo avec des petits passages là dans le terrain. On voit ce que le chien peut franchir, on voit ce que je peux franchir. Là, j'ai déjà un gros pouce bleu. Allez, freestyle. Ouais.
Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, Timothée, encore un grand merci. Merci à toi, c'était super cool. Donc dites-nous en commentaire voilà, si on fait une troisième vidéo, ce que vous avez comme idée. Le gros pouce bleu, suivez Timothée, il vient de lancer sa chaîne YouTube. Il y a tous les tutos, des défis avec les chiens, comment éduquer son chien, comment sortir, faire du sport avec son chien, voilà plein de trucs. Team Léonard. Voilà, c'est écrit dans la description de toute façon, donc vraiment allez-y. La petite cloche, hein, n'oubliez pas les gars, voilà, comme ça vous êtes au courant de toutes les actualités. Le pouce bleu, je vous dis à lundi 18h, ciao ciao. A plus.